Les trois décisions que vous allez prendre dans cette vidéo peuvent changer votre vie. Ne serait-ce qu'une, une parmi les trois, si vous décidez de prendre une de ces décisions, je vous assure que ça peut radicalement changer votre année. Vous ne pouvez pas continuer à entrer dans la nouvelle année avec les mêmes choses, ça ne marche pas, ça tourne en rond. Non, je vous assure, des personnes qui ont compris ce que je les ai dit l'année dernière sont venues me remercier. Donc si vous également, vous suivez attentivement, je pense que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous faire une petite parenthèse. Notre tournée internationale est en cours. Le 22 octobre, nous serons au Burkina Faso. Du côté de la salle de banquet de Ouaga 2000, on parlera de business, on parlera de là où les autres échouent, comment vous pouvez réussir dedans. Mais surtout également qu'on va continuer après le 22 octobre dans la salle de banquet de Ouaga 2000, nous allons continuer au Togo du côté du palais de congrès de Lomé. Ça va être le 5 novembre. Après le 5 novembre, ça va être la semaine qui va suivre. On va, mon équipe et moi, on va se déplacer du côté de Conakry. Nous allons également parler du business dans la salle Mali Condé de l'université Kofi Annan. À chaque fois, les numéros vont s'afficher pour vous permettre, vous également, de réserver afin de venir. La bonne nouvelle, c'est que le Togo, nous avons 3000 places et nous avons mis ça gratuitement pour les 3000 places. Mais du côté du Mali, du Burkina, je pense que c'est 5000 parce que vraiment, l'année dernière, on a fait gratuitement et il y avait tellement de personnes dehors et nous avons décidé de mettre au moins à un prix de 5000 juste pour permettre aux personnes de filtrer un peu. Sinon, l'année dernière également, au Burkina, c'était gratuit. Mais on a dû faire la conférence en deux jours. Il y avait le premier jour, on a rempli 2000 places, deuxième jour encore 2000 places et là, il y avait encore des personnes dehors. Donc, on a décidé de mettre juste 5000 pour filtrer un peu au Burkina. Mais le Togo, c'est gratuit. Mais on va fermer cette parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Dans le sujet principal de cette vidéo, j'étais en train de vous parler des trois décisions qui peuvent changer votre vie. La première décision que vous devez prendre maintenant pour que votre vie change dans les années à venir, c'est de vous dire que je suis responsable de tout ce que je suis et je suis responsable de tout ce que je peux devenir. Les amis, aujourd'hui, si vous avez déjà plus de 18 ans, je vois encore des personnes qui ont 30 ans ici, 40 ans, qui parlent encore avec un langage paternaliste. Ils sont en train de parler encore de leur père, de leurs parents qui n'ont rien fait pour eux, ou bien du gouvernement qui n'ont rien fait pour eux. Ici, nous sommes à l'entrée de mon bureau. Et au bureau de Vivre et Réussir en Afrique qui se trouve juste en haut là, parce que c'est ici le bureau de Vivre et Réussir en Afrique. Vous me voyez souvent, je suis là, je fais des vidéos. Nous sommes devant le bureau de Vivre et Réussir en Afrique. À chaque fois que vous franchissez cette porte de Vivre et Réussir en Afrique, on vous dit la première décision de votre vie, c'est de ne plus mettre dans la tête qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. La seule personne qui peut changer ta vie, la seule personne qui peut te donner ce que tu veux, c'est toi-même. Voilà pourquoi vous devez, à partir d'aujourd'hui, prendre une décision radicale de dire que tout ce que je vais obtenir dans la vie, tout ce que je vais devenir dans la vie, j'en suis responsable. Vous êtes responsable, vous êtes responsable. Si à un moment donné encore, vous ne serait-ce qu'à une seconde, vous dites que non, c'est le gouvernement, c'est mes parents, c'est mon oncle. Non. Arrêtez. Arrêtez. Il y a des gens qui sont en train de travailler. Mais je vous assure, dès qu'on commence à travailler avec des personnes qui assument l'entière responsabilité de leur vie change comme par magie. Tu leur vois, même la manière de faire les choses, ça change parce que tu ne comptes plus sur quelqu'un. Arrêtez de compter sur quelqu'un à partir de maintenant. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, à chaque fois que vous avez des problèmes et que vous partez pour raconter vos problèmes aux gens, les gens également, ils vous racontent leurs problèmes. Je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué ça. Si tu vas raconter ton problème à ton ami également va trouver le moyen de te dire également qu'il a des problèmes. Donc, arrêtez de parler de vos problèmes à quelqu'un. C'est la décision, la noble décision que vous pouvez prendre à partir de maintenant. La deuxième décision
que si vous le prenez maintenant, ça risque de changer toute votre vie. C'est de dire que je m'engage à travailler sur moi-même. Je m'engage à devenir une nouvelle personne. Je vous assure que cette décision-là a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle personne. Pas en termes d'argent, en termes de biens matériels qui ne signifient rien dans la personne que je suis, mais le fait que je m'engage à travailler sur moi-même. Je m'engage à lire des livres. Je me suis engagé à lire beaucoup de livres. Je me suis engagé à payer des séminaires. Je me suis engagé à voyager. Je me suis engagé à devenir une nouvelle personne. Engagez-vous à ça. Engagez-vous à ce que quand quelqu'un il vous voit cette année et puis l'année prochaine, la personne vous revoit, la personne dit que non, que vous avez changé, que votre vie a évolué. Ne restez pas la même personne les années qui se suivent. Les années se suivent, mais vous, vous restez toujours la même personne. Vous restez la même personne, vous allez faire les mêmes choses et vous allez avoir les mêmes résultats. Vous devenez une nouvelle personne, vous faites les choses différemment et vous avez des choses différentes. C'est simple. Est-ce que vous vous engagez à partir de cette vidéo que je veux devenir une nouvelle personne? Souvent, je dis à mes amis, je dis même parfois à mes équipes, je leur dis, si une goutte a rejeté, si une fille, tu as dragué une fille et puis la fille a dit que non, ainsi de suite, ou bien bon, si elle te complique, elle ne veut pas être claire avec toi, en tout cas, si tu as tapé poteau, les amis, il faut faire comprendre à cette fille-là que l'année prochaine, elle aura regretté de t'avoir rejeté. Ou bien même si un gars t'a largué, il faut que toi, la fille-là, tu travailles sur toi jusqu'à ce que ton ex-là regrette la personne que tu es devenue. Faites en sorte que la personne qui vous a rejeté hier regrette de vous avoir rejeté. C'est la seule solution, la meilleure revanche à prendre, c'est de devenir une personne plus importante. C'est devenir une personne qui a une valeur supérieure. Ça, si vous prenez cette décision, je vous assure, ça change votre vie. Vous décidez qu'à deux instants, vous n'allez pas être la même personne. Troisième décision. Ça paraît banal, mais c'est la plus importante de toutes les décisions que vous pouvez prendre de votre vie. Prenez la décision à partir d'aujourd'hui d'écrire vos objectifs chaque jour. C'est-à-dire que prenez la décision de ne plus travailler à l'aveuglette. Prenez la décision à partir d'aujourd'hui d'avoir toujours des objectifs à l'écrit. C'est une des choses à complètement changer ma manière d'aborder mes journées. C'est une des choses qui a changé complètement ma manière d'aborder mes années. Mais moi, c'est d'écrire ce que je veux. Prenez l'habitude, prenez la décision chaque jour d'écrire vos objectifs. Ces objectifs-là vont se transformer en plan d'action dans votre tête. Parce que le fait de l'avoir écrit, vous avez automatiquement corrélé le possible et l'impossible. L'impossible peut devenir possible dès que l'esprit commence à voir. Mes amis, ces trois décisions-là, je pense que si vous les mettez en pratique ou bien vous les prenez tout simplement, vont changer votre vie. Moi, c'est tout simplement un retour d'expérience que je vous apporte en fonction de ma vie, en fonction des changements qui ont eu lieu dans ma vie. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour nos amis qui sont du côté du Burkina Faso, qui sont du côté du Togo, en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, en tout cas les dates arrivent et on va se revoir très très bientôt dans ces pays-là. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt, au revoir et ciao ciao.